Salut YouTube, on est reparti. On va y aller. Donc, notre but là, ça va être d'aller chercher la cité d'Atorak qui se remet du clan Boulder. Donc, là, le but ça va être d'aller raser cette cité, récupérer 8 points supplémentaires, ce qui a monté à 24. On ira frapper ensuite l'étendue du dépit, mais on perdrait des. Voilà. Quoique non, on peut... ouais, on va peut-être attendre alors. On va faire la pierre à Grond, on va finir là, on va raser. Ensuite, nouvelle pierre à Kerouac, et on va chercher tous les points. Et là, on va se mettre bien. Parce que bon, Arganet, là, c'est bien mignon, mais ça y a rien. Et Grond, on va la garder en attendant comme base arrière. Donc c'est parti. En route pour Atorak là. Allez, qu'importe la distance, c'est parti. Voilà. C'est good. Là, on va être bien. Alors, qu'avons-nous? Les cigares, on n'en a pas encore. Rage puissant des minotaures, des cigares, géants et gorgons plus 10, je dis oui. Comme on a déjà des gorgons et des minos, plus 10 de puissance, 2 armes en plus pour eux, ce sera pas de refus. Regardez-moi la puissance de ces minos. C'est des chars d'assaut, quoi. Donc là, Pawax aussi, on va s'occuper d'eux. Ah non. Ah non, non, non. Donc Atorax, tu vas tomber. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Oh, Malikit. Le retour. Bah, vu qu'on n'a pas encore affronté de Skaven, on va se les faire là. Ok, c'est parti mon kiki. Allons-y avec les centigons, on va les piétiner leurs coureurs. Les loups, enfin les chiens à poison. Bon, Conan, il n'y a pas d'antilleur, mais tu vas y aller quand même. Oh là là, la vitesse des centigures ici. Ouf. Et là, c'est que la première chaleur. Attends. Là, on va se prendre un beaucoup de trucs là dans la tête. Ouf. Viens à toi, vous deux, vous intervenez dans le dos, vous vous tracez. Ouais, c'est l'heure de la rachette. Ils ont double hache, ils font nettoyage. Hein. Et ça grimpe, hein. Oh.
les Bestigors qui sont sortis. Salut Patapouf. Le DLC, normalement, bah, c'est comme d'habitude. Je dirais vers 17h heure française, logiquement. Après, c'est indiqué sur Steam, donc pour moi, c'est toujours dans ces zones, donc c'est 16-17h normalement. Après, peut-être que comme c'est 14G, ça a changé. Il faut que tu regardes, là, je me souviens plus exactement, désolé. Allez, tapez-moi sur ces foutus rats et cassez-vous, rentrez chez vous. C'est chez les hommes bêtes ici. On chasse pas dans la même catégorie. Oh, regardez-moi les minots. À 2 unités, ils ont fait 300. Plus de 300 morts quoi. Enfin, 288 morts et 14 là, ouais. Bon, les centigres ont fait le job aussi. Hein. Allez, on rase. 6000 balles. Attention à Malikit là. Il est pas content. Alors que vais-je rajouter? On va améliorer tout ce petit monde. Or, alors attends, il y a un choix là. Orgie du massacre. Soit on part sur de la défense pour les minots, soit pour de l'attaque. Sachant qu'avec Codon, on a déjà la... On a déjà quoi? C'est la peur ou la terreur? Nous avons la terreur chez les minions, donc c'est pas utile. Donc on va faire le pendant de l'autre côté avec Torox. Défense en mêlée. Et encore défense en mêlée pour les minions. Ils seront comme ça très plus compliqués à tomber, quoi. Donc lui, Malikit, faut le surveiller. Je sais pas ce qu'il prévoit. Oh, je vois. Je vois, je vois. Bon, ça va être coton. Mais bon, on va essayer quand même, hein, bien sûr. Sa garde noire m'emmerde. C'est Furis. À mon avis, sa garde noire, on peut vite la gérer. C'est Santiger aussi. Mais bon, ça me paraît mal embarqué. Il a un dragon. Non, il a l'air à pied. Donc ça passerait peut-être. De toute façon, on n'a pas le choix, on y va. J'aurais peut-être dû lever là, une autre armée, quoi. Je sens que je vais le regretter. Après, il a beaucoup de tristes lames et de lanciers, donc là, ça va encore. Comment on va faire notre coup, là? Ils sont plus nombreux que nous, les cons, en plus. C'est du perse armure, ça. Alors, en vrai, je vais tenter de l'escarmouche avec eux. Attention. Aïe, aïe, aïe. Ça va être costaud. Reculez, reculez. Il faut les provoquer, quoi. Ouh, on en se prend un sort là, j'ai pas vu ce que c'était, mais c'était pas agréable. Quelques archers par-ci par-là, on va avancer. Là c'est quoi? C'est Razordon. On va les mettre sur le côté. Vous revenez. Et ils encaissent bien. En standard, tu me diras. Ah, les furies avec les Razordons, je dirais oui. Et là, une petite nuée bien placée. Oh, Malikit, il vient pour nous, c'est bien ça. C'est mignon, mais bon. Vous par là. Oh là là, les furies, on est en train de les croquer là. Et il prend rien, c'est ça? Mais non, c'est Malikit, tu me diras. Ah, je suis dégoûté si on perd la colonie.
Allez, viens là, toi. Vous, l'artillerie, allez me la chercher, comme ça, ce sera déjà ça, au moins. Oh là, là, ça va être compliqué, effectivement. Ils ont très peu perdu de trucs, hein. Voilà, ça va les calmer comme ça. J'essaie de revenir dans le dos pour supplier les archers. Voilà, ça peut les calmer un peu. Oh là là, ils prennent rien quoi. Même les chauves-souris se sont fait députer par Thierry. Bon, après, c'est Malé qui sert. Essayer de lui faire le plus de dégâts possible, mais bon, ça va être compliqué. On va essayer ça. Hop. Ah non, c'est paumé, là, clairement. J'essaie de tomber la baliste quand même. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bon, on va faire le plus de pertes possible. Ouais. J'aurais dû prendre la réseau auto. Après, il avait une bonne arme. Enfin, il avait une armée basique, mais. Il devait être bien équipé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre Gondes? Ah, je suis dégoûté là. J'aurais dû prendre la paix avec maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, à la limite, elle est loin, pourquoi pas. Voilà, on va se mettre ici. C'est dommage parce que il y avait quelque chose quoi. Bon là c'est pas la peine hein. Hop. Bon, on perd quand même 3 unités quand même, ouais. Nettoyage de printemps, trotte le gars le vaincu, 10% de points de vie, allez boum. Voilà, nouveau le pire de Hard, paf. Alors, je vais partir sur deux archers. Je peux plus prendre d'autres troupes. Je vais prendre un lancier, je vais prendre Torox avec la fureur de la harde à fond. Je vais prendre notre petit chaman ici avec. Qu'est-ce qu'on lui rajoute? On va le spécialiser un petit peu quand même. Spécialiste, ça lui fera des points en plus. Kodan, on va lui rajouter attaque dévastatrice, ça sera toujours bien. Et là, je vais quand même investir dans cette pierre de reconstitution. Et de ça. On va aller à l'étendue des pierres. On va tout raser. On va faire une pierre de coup. On va se venger. Provoque la peur dans les embuscades, ça peut toujours être utile. Oxy, il est là, hein, attention. Sympa, du campement des Mung, pourquoi pas.
Voilà. Déchaînement sévère terminé. Alors avant de faire quoi que ce soit, on va partir sur quoi? Partir sur ça. Ah. J'ai vu qu'on pouvait recruter une nouvelle unité de renom. Les boucliers de Kalengal. Ouais, mais je les remplace par quoi? Les chiens poison, ça m'a quand même bien assisté au début. On va faire ça en attendant, on verra. Oxy, son armée, elle n'est pas complète, donc ça, c'est un avantage pour nous. Donc 12, 16, 20, 4. Ah, il y a une peste. Après, il faudra qu'on se focalise à péter la tête à Oxy pour au moins avoir des objectifs, qui est l'un de ces trois objectifs, donc avec cette bataille finale et les 500 points. Je vais partir sur l'appel de la violence. Ok. Oxy se rapproche à nouveau. Je crois qu'il va, il a pas compris la première fois. On essaie de le resurprendre. Ou pas. Hop. Oh bah tiens, j'ai le mouvement. Lol. Bon, on va la faire, c'est juste pour la bataille d'embuscade. Alors on va mettre tous les minots d'un côté. Les archers là. On va mettre toute notre infanterie ici. Oh, ça va être un carnage. Le reste de la force, elle va venir ici. Il faut trouver Oxyotl. Allez hop, ça dégage, le skin caca la troule. Ah bah il y a là notre mitrandir là sur son beau char là. Bon, Thorax, occupe-toi de lui. Toi tu viens là. Ah, ça y est, ça commence à craquer, bah, avec le moral qui se pérenne aussi. Ils arrivent pas à le taper, j'ai l'impression, c'est moi. Alors attendez, les archers, vous allez me viser ces monteurs de Carnodric Bolas.
Ok, bah ça c'est plié. Alors est-ce que je cherche... Ouais, je vais y retourner, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Boucher bestiaux, résistance aux projectiles plus attaque pointée son niveau 7 pour rejeton, Minoc, Eberslight Light et Gorgon, pourquoi pas. Eux, c'est le cas justement, donc ça va nous aider. Eux, ils y sont presque, Minoc. Donc là, on est à 20 points. On va y chercher la cité gelée, comme ça on sera à 28. Et on lancera le rituel. J'espère juste que Malekith ne va pas nous faire chier. Alors, on va aller au sentier comme ça. Voilà. Regarde combien il reste de Cita aussi. Il en reste 6. Il lui reste 6 villes. Donc pour moi, il a les 3 ici. Donc les 3 de la. Donc, il y en a une là, une là, une là, une là. Alors, attends. Dark Magic. Pour moi, il a ces trois là. Donc le hop, ça fait 3. Ça fait 3 et 2, ça fait 5. Il a cette base arcanet ici, donc ça me fait 6 villes. Donc je vais raser la cité gelée, je me replie à Karwak. Je fais mon rituel et je vais aller le raser complètement. J'ai pas envie d'avoir un problème comme lui dans mon dos. Et si eux. Évidemment, je te connais de vue, mais tu viens m'emmerder. Pourquoi pas? Annonce bestiale, allez hop. Allez, cité jaune en route. Let's go. Allez hop. Et là, accomplissement du rituel. 28 points supplémentaires. Ah non, 31 points quand même, 60. Alors, le cœur des ténèbres. Au début de votre tour, enregistre au moins 220 marques de la ruine, ok. Le cœur menant au chemin des ténèbres se dévoile peu à peu, mais comme tout comme vous, je sens une présence, une menace invisible nous traquer. Les ennemis nomades sont nombreux, mais pour l'instant, ces mystérieux lâches se contentent de rester tapis d'ombre sans nous attaquer. Rien ne peut vous arrêter, bête sanglante. Vos dons divins sont bien trop puissants. Mais surtout, n'oubliez pas que nos maîtres vous ont déjà récompensé et qu'ils le feront à nouveau. Alors, domination pure, ça a encore donné des bonus. 10 tours, donc 3 en rage bestiale pour toutes les armées, 15 de coups de construction en moins. 5000 de faveur et 500 d'effroi. Alors j'avais déjà débloqué qui tout à l'heure. J'avais déjà débloqué Malagor. Je vais voir pour les améliorations. Je vais faire des nouvelles hordes au niveau 2. Pierre au niveau 4, allez. Ça peut donner une meilleure garnison. Pourquoi pas?
qu'à la fin, à mon avis, ça doit taper sale les garnisons. On va déjà faire tout ce qui nous manque. Rage primitive, allez, c'est parti. Alors, hop, un espion pour lui, des points pour lui. Bon, pour l'instant, ça coûte rien les pierres, on en profite. Donc là, on va redescendre à gratte. On va raser comme ça. On va ensuite... Ouais, on va directement à Arganet. Oh, bah, attention à Malikit, là. Attention à Monsieur Malikit. On va peut-être revenir, finalement. Oh là 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 là, mais regardez-moi sa puissance. Bon, là, il a perdu du monde, mais... Bon, au moins, le plus important, c'est que bah, la ruine, ça commence à se développer. Voilà. On n'a pas de chance, hein, mais bon. Après... Je me demande combien je t'en ai. J'en ai 87. Si j'arrive à une centaine, salut Loubou. Ah, les taureaux, ils déboîtent bien. Bon, je me fais un peu démonter par Malikit derrière, mais globalement, c'est du sérieux. Ce sont des sérieux concurrents. Donc là, je vais essayer de raser Malikit, là. Je vais essayer de retourner en arrière sur Oxy, comme ça, ça sera fait. Ils ont des bons bonus. Parce que là, mon but, c'est de revenir sur Arganet, le raser. Aïe. Là, il y a du souci à se faire, Malikit, avec son armée. Tu veux la paix, bah, tu te fous de moi, toi. Tu crois que tu vas rééquilibrer, ouais. Voilà. En route pour aller chercher Arganef aux mains d'Oxy. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Optimisation constant, capacité passive, fureur primitive, 5 d'attaque en mêlée, 10 de bonus de charge, 10 de vitesse, immunisé à la psychologie, bah on va prendre ça. Hein. Let's go. Et après on partira aussi sur ça. On va avoir des bons bonus encore, laisse tomber. Allez, Arc Guerrier au niveau 5. Oh non, je vais peut-être pas faire ça tout de suite. Haine des hommes, attaquant mêlée plus 6. On va encore buffer à l'Hétorox. Allez, on le buff à fond niveau dégâts. Dans ma campagne avec Tsao Tsao, j'ai jamais vu ni aussi Tinus avec la faction du 12. Ils ont perdu leur trône. Mais le mec, il veut pas lâcher l'affaire, il veut bien la paix. Mais bon, il veut pas la confédération. Ah bah écoute, hein, il en faut des gens tenaces hein, dans la vie. Alors, le chef Minotaur Kodan, hop. Ouais, il a recolonisé sérieusement. Hein. Il manque pas de toupet celui-là. Voilà, on va se mettre là. On va essayer d'aller choper Malikit au prochain tour et de la raser pour de bon. Non, mais il le fait exprès, hein, c'est pas possible. Il le sent que je viens à chaque fois. Ouais, réponse à l'appel. Voilà. Allez, domination du monde, risque d'initio d'échec, 25% magie et 20%, 20 points de magie dans toutes les armées, ça c'est bien. Ok,
cœur, il va aller là maintenant. Il a recolonisé, hein. Plus teigneux que moi, tu meurs, quoi. Oh, il y a deux armées. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils prennent des pertes, c'est cool. On va voir comment ils réagissent. Non, pour le moment, ils bougent pas, ça va. Allez, on pile en richesse. On refait les recherches. Empire des bêtes. Allez, 3 temps de tour au siège en moins. Boum. Oh, il se barre, sérieux? Il y a ça, à mon avis, qui devait faire mal. Voilà. Malikite est tombé. Allez, frénésie, boum. Les matriarches de... Un Yaberslite de renom. Pourquoi pas? Ensuite, alors. Eh, Mitrandir, avec tout est beau, je sais plus comment faire à un moment, sérieux. Alors, le chef Kodan, il est devenu un monstre de guerre. Là, je vais devoir partir vers les terres chaotiques et tout pour raser. Tendre. Alors, s'il y a un tombe, ça peut être utile. On va se mettre en sentier, on va aller chercher ici. On va aller chercher la cité gelée, on va faire une pierre là. Comme ça, on va. On va tenter de la récupérer. On va récupérer des points. Ouais, Mengwu, il est particulier de façon pour le obtenir, hein, honnêtement. À ce rythme-là, on va faire le tour de la carte avec Torox. Allez, j'en ai une pierre tout de suite. Alors, reconstitution et ça. Ensuite, on va faire quoi? Invoquer 10 unités. Ouais, bon, après, une sorte de canon, je m'en fous. Ça, j'aimerais bien l'avoir, mais bon, ça va être compliqué. Résistance physique pour les coins. Alors, chien du chaos, harpie, Razor Gore et Manticore. Chien du chaos, oui, pourquoi pas. Là, on va les chercher ensuite. Là, on va remonter. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu veux un traité de paix? Ouf, ouais, allez, pour l'instant, on va accepter. Lui aussi, comme ça, il sera content. Là, on va les raser ici. Va aller au pilier noir. On va lui mettre encore haine des hommes. Ah, il a reconnu des Dark Gold, bon ça m'arrange. Ah non, Oxy, tu rigoles. Épée du can récupérée. Non mais là il se moque de moi, alors attends, je vais lever une nouvelle armée.
Morgour. Alors, je vais partir sur ça. On va déjà commencer par une petite armée comme ça sera un départ. Des déserts dans la neige, ouais, ça change, hein. C'est un désert plutôt assez expérimenté, si tu vois ce que je veux dire, Lobo. Victoire à la Pyrrhus, et c'est qui? C'est oh, bah, c'est lui. Allez hop, ça dégage. Là, il y en a le Gorgon de renom, je vais le donner à Malagor, tiens. Je peux encore ajouter quoi? Hop, on va lui mettre ça aussi, j'ai oublié. J'ai encore combien de points à lui mettre là? Oh, je lui en ai. Ouais. J'ai aussi ça pour les minots, je vais le faire tout de suite. Ouais. Regardez-moi ces minots de feu là. Donc là, ce que je vais essayer de faire avec l'armée de Malagor, je vais m'occuper d'ici. Avec, je vais m'occuper de d'Oxy sur ce flanc là. Pendant que l'armée de Torox va aller raser le long de la côte ici. Ça va être long, mais pourquoi pas. Et là, Litanor, il recolonise, tranquille, pépouze. Ouais. Toute façon, je peux pas y aller comme ça. Je vais chercher Nagra, je vais le raser tout de suite. Je vais faire ma recherche comme ça. Alors, ça sera quoi que je vais partir? Régénération passive pour les jetons du chaos, les Jaggerslag. Bon, bah, ok. Mais les unités elles coûtent rien, c'est pas un peu pété cette mécanique. Alors elles coûtent rien au bout, mais leur disponibilité en fait, quand tu augmentes la capacité, bah attends, je vais partir sur les Centigors, ça augmente leur coût en effroi, donc plus j'en aurai, plus ça va coûter cher. Tu vois, je te donne un voilà l'exemple que tu peux voir. Je vais partir sur l'essence de champion, j'avais oublié de le faire ça. Donc ça compense quoi. Après c'est une question de point de vue bien sûr. Eh, on avait promis à Conan de lui mettre ça. Le talisman de colère. De l'histoire de champion qui a une colère éthylée qui est 20 d'attaque. Hop, il l'a. On va rajouter aussi encore de la défense au tir. Il a 28%, il va être à 38, ce qui est plutôt très bien. Donc c'est bien. Voilà, on va raser ces trois là. Il faudrait que Malekith nous donne un petit coup de main parce que bon. C'est bien mignon, mais. Oh, je peux pas avancer tout seul. Ah, ça a été rasé ici. Eh ben, on va en profiter. Un peu de thune. Comme ça, sabot de géant. Et. Du haut de l'aura du commandement, parfait. Là, je vais rajouter ça. Non, j'ai une meilleure idée. Plus d'effroi encore. Déchets un poison, ça peut être utile. Ouais, Malagor, il va bien nous aider là. La deuxième armée là, bon, elle est pas, c'est pas la même qualité, certes. Mais elle va taper quand même. Là, on va se faire de ses points, mais.
En vrai, là, la cité gelée, je pourrais encore raser, quoi. Et encore accumuler des points. Allez, arme de Ogorok. Je crois que je vais déclarer la guerre à... Comment il s'appelle? Je vais aller péter aussi... Ah, ça a été rasé aussi, ça tient donc. C'est trotte, c'est ça? Je suis sûr que c'est trotte, vous allez voir. C'était trop, j'en m'en doutais. Je m'en fous, je suis là pour me battre. Allez, hop, oust. Voilà. On buff les gores, comme ça ils seront contents. 26. Et là. Boum. On rase, on rase, on rase, on pulvérise. On est à 34 là. Hop. On va lui rajouter quoi? Répondre à la corruption, ça sera toujours utile. Encore un point pour Conan, Conan. On va lui mettre quoi? Allez, on le bourre en armure. Allez, on accepte les 2000. Si l'un tombe, là, ça va nous aider. Là, on va raser ces deux colonies là. Il n'a pas d'allié, bah ça va être réglé ça. Va être vite torché. Voilà. Comme ça, ensuite derrière, on va les raser d'Argot. On va se reprendre 4 points supplémentaires. Ce qui va nous faire monter à 42 points. Allez, Torox, vas-y. Hop. Alors. Donc si on va encore le tataner, il n'a pas compris la leçon. Une nouvelle embuscade, on va la faire, allez. Ah tiens, j'ai encore un bug de map, j'attaque la ville de bouffe de bétail, j'ai une ville de parc à grume. Je ne sais pas pourquoi, mais ça risque à moi cet après-midi. Ah bah, là, je pourrais pas t'aider, Loubou, désolé. Bon. Oh, c'est encore la même map, sérieux. Bon, Lumino, ça va être la fête. Ouais. Les archers, vous allez me tirer là. Le Gorgon et le Yabers, la tienne, il ressemble à quoi, lui? Oh, le gros dégueulasse. Il peut voler? Oui, il peut voler. Bah je sais pas, Loubou, c'est bizarre ça. Oh là là là, ils sont à peine rentrés qu'ils se font déjà éliminer quoi.
Allez. Oxy va encore trépas. Il va être encore Oxy. Parfois. C'était facile, oui, j'avoue. Boum, boum, boum. Oh là là, deux coups, quoi. Kodan, il a une puissance de fumée, quoi. 95 attaques en mêlée. Thorax, 96. Bon, attaque enflammée. Eh, attends, j'ai une idée. Oh, dommage, il s'est raté. Par contre, l'aluminium, on va les reculer. Hop, l'embuscade, c'est plié. Allez hop. Putain, je vais avoir ces bonus de malade quoi. Bon allez, on va encore reset. Allez. Allez, on y va, let's go. On se fait cette petite armée aussi. Une à un ping, rien qu'on aurait de chouer et dans la. Et l'une dans un territoire normal. Ah bah c'est ça. Là, je crois que ça va aller tout seul. Vous allez comprendre pourquoi. Les deux tireurs là. Le Yabber Slide va venir chercher ici. Ah, je peux venir les récupérer. Oh, merde. Oula. Ah oui, attention, c'est Croak, hein, c'est pas un amateur. Cause de nombreux dégâts aux combattants. C'est parti, on va tester ce sort. Ça y est, là, ça va être la chasse. Bon, là, le char et le chef Minou, ils s'en occupent. Voilà. Oh. On va juste traquer ça pour en finir. Voilà, parfait. Donc moi j'ai fait de battre l'embuscade, j'espère que ça va se débloquer à mon succès. Ah, il a survécu le monsieur. Ah bon. Ah, vous êtes comme ça vous. Bah justement, il va nous permettre d'enchaîner les batailles pour arriver rapidement à la prochaine destination. Voilà. Alors, déchaînement sévère. Ça, je prends. Déchaînement sauvage. Coup en élan, je prends. Rien que ça, là. Super. Je vais pouvoir vite me rendre à la forteresse des damnés. Regardez. Nyon. Non. En fait, c'est pas Vox d'horreur, c'est un skin qui s'est retrouvé dans les dimensions du chaos, Loubou, qui avec sa cité, et il s'est retrouvé bah, là-bas et dans le, oh, les dimensions du chaos. Et bah, l'anime, bah, le problème c'est que bah, il a vie et que la plupart de ses co-génères sont morts sauf lui. Et lui c'est devenu un expert à traquer
les tout ce qui est monstres chaotiques et tout ça, démons et tout, tralala. Pourquoi ça? Oh, Pawax. On n'est pas loin de le détruire. Je crois qu'on va tenter d'aller le chercher, hein. Alors, niveau 33 pour Torox, on va lui mettre favori du trône de corne. Bonus de charte 20%, noyé dans le sang. Ça. Et comme ça, dans les deux prochains trucs, on va lui mettre ça. Et là, il sera peinard. Et en plus, il sera increvable, l'animal. Increvable. Alors, Malago, on va lui mettre ça. Au prochain tour, on va les raser d'argot et on fera le rituel pour conclure. Mais bon, après, il y a des personnages qui ont existé. Bataille de Jabber, ça, t'épargne la créature. Ça, on verra pour plus tard aussi avec Malago. Après, je voudrais au moins essayer de faire la bataille avec. Comment il s'appelle? Avec Torox, mais ce sera pas pour la prochaine fois au pire. Voilà. Donc là, j'ai accumulé 42. Je vais faire un rituel tout de suite. C'est pas mal. Je dois en avoir au moins un quart. C'est déjà ça de fait. Là, on va tracer. Hop. Ouais, c'est bien, ça va le faire. Au moins dans cette première partie de live, on aura fait une bonne avancée. Enfin, on aura bien démarré. On aura terminé un de nos objectifs, ce qui est plutôt cool. Donc, il faudra peut-être 2-3 lives le temps d'arriver aux 500, quoi. Alors toi, on va faire quoi de toi? Je vais revenir là pour l'instant. Voilà. Bon, il y a une arme avec un peu de tout, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ce sac à PV quoi. Étourdi. Hein. Ça va être la fin de... tu rigoles. Tu te moques de moi là. Vous savez quoi, on va y aller comme ça, les YOLO. Dernière bataille de soir, et là on achèvera l'un de nos objectifs. Allez. En lui faisant la bataille de la quête. Ah, ça c'est une bonne question, Monard. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le débloquer ce succès. Mais bon, ça, un jour ça viendra. Ah, le chef minou là-bas. Lui, il est anti-infanterie, on va l'emmener là. Les lanciers ici. Les gores là, Torax, on va l'envoyer où? Oh là là, la grosse charge ici déjà. Bon, c'est des skinks, hein, mais bon, ils sont en train de prendre tellement de tarifs. Le Yabber Slide. Ah, lui, le Yabber Slide de Renault, il est sain d'armure. Pas de carnage, quoi.
Allez, cours, Thorax, cours. Viens à toi. Hop, on va aller revenir ici. C'est une boucherie. Allez, 24 d'attaque, boum. Il se barre, allez, casse-toi, rentre chez toi. Encore du pognon. Voilà. Les fantômes de Pavoax sont détruits. Ce qui était l'un de nos objectifs. Donc le premier, c'est... Franchement, je pense qu'il vaut mieux aller chercher vite les fantômes de Pavoax, comme ça vous êtes tranquille.